Qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir? On avait un relais qui était là. C'est ça. Peut-être que si on va là, il faudrait que je baisse le son. As-tu trouvé tous les souvenirs de Zelda? Non, parce que, ben, en fait, je sais son où, là, mais je les ai pas encore tous atteints. Je pense. Mais non, ben, je pense. Je les ai pas encore tous atteints, mais je sais son où, sa map. J'ai pris une photo d'un endroit qui les indique. Puis, éventuellement, je vais aller faire un par un, mais oui. Que la troupe de musiciens est là. Ah, ça, c'est une maudite bonne nouvelle. On pourrait se débloquer une petite fille, là. Il doit m'en rester 3-4. Bon, qu'est-ce qu'il dit là? Près du relais de l'orée de la plaine, la grande figure enfermée dans son bourgeon, il semble aimer le son de flûte, mais Fluol, le flûtiste des brides abattues, manque à l'appel. On aurait cependant entendu jouer de la flûte près du relais de la région de Firon. Ah! On a un spot, on a une quête ce soir. Très bon, ça. Très, très bon. Ah ben oui, on le voit d'ici. Ok, ça va être mon objectif ce soir. Ah, c'est con! Ah, c'est tellement con! On a fait le chemin ici, puis je dis ah non, j'ai pas de points pour sauvegarder. Regardez, j'ai fait la grotte, puis je fais ah non. Fuck, pour ce soir. J'aurais pris l'autre chemin, j'aurais pris mon temps, j'aurais regardé. On aurait vu un autre relais. On avait vu un autre relais. Ok. On va aller là. La musique. Les profondeurs, c'est vraiment pas du grind à la MMO. Tu fais juste compléter les profondeurs, puis t'as en masse pour full upgrade tes batteries. Ouais, je sais. Non, mais je sais pas comment expliquer. J'ai pas l'impression de partir à l'aventure quand je suis dans les profondeurs. Je sais pas comment vous le décrire. Quand je suis ici... Ok, mettons qu'on fait un exemple Breath of the Wild. Okay. Quand je me promène là, il y a du relief. Ce que je vois au loin, ça attire mon attention, ma curiosité. C'est du bon jeu vidéo. Je passe je sais pas combien d'heures dans les profondeurs. J'ai l'impression de souvent pas trouver ce que je veux. C'est que tu bats des demi-boss pour avoir des matériaux. Ben pour avoir. T'avances, mais je sais pas, ça me vend pas du rêve. Genre, je sais pas. Je préfère conquérir un territoire en avançant tranquillement. Puis d'être attiré par tel ou tel point. Puis les profondeurs, genre, je sais pas, c'est sombre, on voit rien. Mais c'est mon avis, c'est mon goût personnel, mais j'aime pas ça. Ouais, j'adore la zone Gerudo parce que, justement, il n'y a pas de relief. Ça se fait bien. Ah ouais. Moi, ce qui m'a fait triper dans cette Zelda-là, c'est découvrir des grottes. Je pense. Préparez-vous à ce que je vais dire, là, parce que... ouvrez bien grand vos oreilles. Ouvrez bien grand vos oreilles. Plus que je joue à ce jeu-là, peut-être que je préfère Breath of the Wild. Mettons là, je suis pas encore sûr à 100% là. Je suis pas sûr à 100% encore, faut que je finisse le jeu là, pour me faire un avis là. Mais ça se pourrait qu'à la fin, ça m'étonnerait pas que j'aille préférer Breath of the Wild. Puis que si je rejoue à Breath of the Wild, je trouve ça moins bien que Tears of the Kingdom. Mais la première impression que le jeu m'a faite, je sais pas comment expliquer. La story de Tears of the Kingdom est seule. Bah, je m'en fous, ça. Je m'en fous. C'est pour le let's play que je joue. Pour le gameplay. Là, il n'y a pas de dragon. Savez-vous pourquoi? Laissez-moi vous raconter une histoire incroyable. Ma blonde dort, ok? Il est 2h du matin.
Je l'entends brasser, je la regarde. Je dis, coudonc, ça va-tu? Elle dit, fais un dragon. Dans Zelda. Là, je suis comme, quoi? C'est quoi cette affaire-là? C'est bien random, comme demande, à 2h du matin. Elle dit, fais un gris rock. Je suis comme, quoi? Puis elle part à rire, puis je suis comme, quoi? T'es sérieuse, Catherine? Il y a de quoi à côté du pont? Ça, je l'ai fait. Sinon, ça aussi, je l'ai fait. Aruz me dit qu'il est 3h30. T'as-tu vu? Moi, c'est-tu comment je l'ai découvert, cette affaire-là? Avec l'île qui était là. J'ai fait tomber la roche verte. Puis j'ai fait « What? » Puis là, genre, c'était nice. Pour vrai, c'était vraiment nice. Fait que grosso modo, elle m'a dit « Fais un gris rock. » J'ai dit « Ben là, je peux pas en faire un que j'ai pas fait. » Moi, j'ai seulement envie de jouer devant les petits amis, t'sais. Fait que là, elle dit « Ben fais-en un que t'as déjà fait. » J'ai dit « Ok. » J'en ai fait un, puis elle était contente, puis elle s'est rendormie. Je comprends pas toujours qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas toujours qu'est-ce qui se passe, mais ok. C'était donc ça, la connexion à 3h30. Yo, mais à quel point vous me surveillez, genre? Ça fait peur. Ça fait peur, vous me surveillez, esti! C'est Aruz, ouais, c'est ça, c'est Aruz. Le projet du gouvernement. Le bot. Ça fait tellement du bien de rejouer à Zelda. Là. Faut que je le termine, ce jeu-là. Ça n'a pas d'allure. Là. Hier, j'aurais dû streamer. Là. Pour du mal de tête. Comme là, j'ai mal à la tête, mais j'attends de voir si ça va passer. Là. Donc pas à la nuit, c'est pour ça. Ah... Tu joues sur ta console puis ça pop, tu joues à quoi? Mickey Mouse! Oui! Voulez-vous que je vous parte une game de Mickey Mouse? Oh, oh. Dégueulasse. Ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, ça me manquait pas. C'est impossible de finir ce jeu-là cette semaine, t'as trop fait... T'en as trop à faire encore? Fuck! Faudrait qu'on clenche, là. Ben, j'ai pas envie de clencher pour clencher, là, mais... Ah, c'est la croisée des chemins. Vont être un magasin. Enfin un peu. Ah. Guerlac. Oh ah. Nya. Oh. Oh. Ah. Guerlac. Faudrait qu'on y joue le plus cette semaine. Là. Mettons cette semaine là. T'sais-vous qu'est-ce qu'on devrait faire demain? On devrait se mettre sur le cas des Gerudo. Ça sonne. Guerlac. Dans une game de Donjons et Dragons, ça passe-tu? Oh! Ah, ben oui, j'étais à côté. Have fun, moi je quitte. Bonne nuit, Matt. Faites beau rêve. C'est beaucoup d'être passé. Désolé hein, pour ceux qui voulaient voir plus du Amnesia. Genre, le jeu a complètement chié dans mes mains. Faudrait que je refasse une game en plus. Oh. Un navire. C'est un Intel moins d'eau de carré, ça s'appelle Guerlac. Guerlac. Un magicien d'eau. Les pirates!
Mais oui, j'ai appris qu'il y avait plusieurs pirates. Moi, je pensais, ah, on est tombé sur un bateau pirate et tout. Oublie ça. On est partout. Qu'est-ce que je vois au loin? Moi, ouais. Je sais pas qu'est-ce que vous me conseillez. Pensez-vous que demain je devrais me mettre sur les Gerudo? Mettons, on rentre dans la zone, on fait la tour, on va au village, puis le stream d'après, on fait le temple. Oui? Peut-être que l'exploration va plus s'accélérer comme ça. La verticale et l'horizontale. Mais là, c'est bien facile. Il y en a un autre. Il faut. C'est pas je devrais le faire, Gab, c'est il faut. Ça fait plus de peau. Où est-ce le délai? Ah bah, es-tu collé? Je comprends pas. On va essayer de le coller un petit peu mieux. Ça va décoller, là, right? Ok. On bloque. Ouais, je l'ai mal collé, en fait. J'étais un petit peu rouillé dans le collage, là. Ça fait une semaine que j'ai pas collé, là. Ça, c'est un coffre. On dirait un petit wagon. Un wagonnet. Attends, mais là, c'est quoi ça? Absolument rien. Comme ça, il frotte pas au sol. Parfait. T'es un petit peu collé sur le mur, par exemple. Ouais.
Ok. Je pense que je cours. Ah, ça passe pas. Colle sur quoi, là? Merci beaucoup pour le raid! Bienvenue tout le monde, bienvenue! Allô, allô, salut Adro, ça va bien? Incroyable! Oui, c'est incroyable! Peux-tu croire? Je me suis dit, à soir, je fais autre chose que du Zelda. Et finalement, le jeu m'a planté d'en face. Salut Nev, comment vas-tu? Je vais en numéro 1. Je crois que ça va bien tout ça, non? Ouh, j'étais en train de monter. Amnesia, oui, le nouveau Amnesia. Ils ont sorti un Amnesia qui est... Quoi? Je crois qu'il me donne le moins de cœur. Un nouveau Amnesia qui est sorti sur le Game Pass, si vous voulez l'essayer. Ça s'appelle Amnesia de Bunker. C'est complètement un genre de... C'est vraiment bon, là. C'est juste que... Comme dans les vieux jeux, là. C'est pas comme un Amnesia classique, OK? C'est... C'est comme Resident Evil 1. J'ai réussi à fucker ma game. Je me suis soft-là, qu'est-ce que... Fait que là, je me suis dit, bon, ben, soit qu'on recommence là, ou... Ou genre, je recommence demain, finalement, genre, je fais un couloir dans le jeu, puis le jeu a planté. J'ai fait bon. On fera ça une autre fois. Genre, en gros, il faut du gaz pour alimenter, genre, d'électricité, genre, pour faire de la lumière. Sinon, la bébite, elle te pogne. Man, j'ai tout claqué mon gaz au début du jeu. Puis j'ai finalement compris c'était quoi une mécanique, genre. Pour vrai, c'est vraiment bien. Comme un... Pareil comme dans le temps, là. Tu joues à Resident Evil 1 là, sur PlayStation 1 ou sur GameCube, là, le remake. Tu fais le cave, là, t'es en mode « Ah ouais, c'est cool ce jeu-là, m'a tiré sur n'importe quoi, t'as plus de balles, man. » 3 heures plus tard, tu peux plus avancer dans le jeu, t'es soft luck, recommence ta game. C'est quand même cool que tu fasses des jeux de mec. Mais pour vrai, Hobo, ça fait complètement partie des jeux que j'adore, ça. Jeux d'horreur, ok, mais survival horror? Surtout à l'ancienne comme ça, où il faut... Moi, j'aime beaucoup Resident Evil 1. Tu sais, OK, le 4, vous savez que je l'aime, tout ça, je l'ai déjà dit. Mais le 1, là... Tu sais, comme le 1, t'as un manoir, puis t'essaies de débloquer une clé pour ouvrir telle porte qui va te permettre d'avoir une autre clé pour ouvrir une autre porte. Là, c'était complètement le même délai. C'était juste que là, c'était une clé à molette, une pince pour briser une chaîne et tout. Mais oui. Moi, je serais d'ordre d'en faire plus souvent des survival horror. Un jeu qui ferme sur un black screen. Et un rat. Un nasty gros rat. Un fucking gros rat. Fait que oui, il faisait du Tears of the Kingdom. J'imagine qu'il est en train de faire du... Oh! Il fait du speedrun, j'imagine. C'est bon, ça a pogné le... Je pense que ça a pogné le truc en avant. Ouais, c'est ça, ça avait pogné le truc en avant. Maudit palmier.
Ok. Il est là, lui. J'étais dead, j'allumais les des splits par rapport, j'ai éteint mon jeu en skippant une cinématique. Pour vrai. J'ai hâte d'être rendu là. J'ai hâte de finir ce jeu-là. Pas parce que je veux plus y jouer, mais tu sais, vraiment, comme... Ça serait nice, là, t'sais, après, genre, quasiment 100 heures. Là. Mais demain, c'est ce que je vais faire? Je vais embarquer sur les Gerudo demain. On va accélérer. Là. On va accélérer le pas. Là. Un puits. Ah, ça... oh, un cerisier! Connaissez-vous l'histoire de... Il y a pas assez de temps. Fuck off. Je crois pas. You le... You mon ami, là. T'en passe pas. Mais non, mais faut pas qu'il tombe. Oui, il y a juste lui, il y a pas. C'est tellement chier, même. Je suis cheap, c'est bon, fais juste me le donner. Ah, oh, t'es sérieux? Je pensais que je m'en venais dans un trou. Oh, que c'est de la merde. Ça pour ça, fuck. Sérieux? Oh shit. En reste 9 des étampes. What the hell? Un fan d'étampes pareil comme ça. Rien là ici pour le cerisier. Parce que les autres, ils peuvent pas voler sur le top. Ouais, ça, je me rends compte, mais pareil, tu sais, je suis pas. Je suis pas méga loin. Là. Les étampes, j'ai... Ah oui, genre, mettons, les souterrains. C'est drôle, on parlait des souterrains juste avant que t'arrives. Je sais que c'est des cristals, mais il faut que je le dise. Je le redise. Je pense que c'est un point négatif pour moi. C'est Toro. Il va sûrement avoir une quête avec l'autre, là. L'autre, il faut qu'il rejoigne son ami. Au secours! Il est où, ton ami? Oh, mon tabarnouche. C'est correct pour moi. Ça, je suis content, man. Le fait d'avoir fait les souterrains pour pouvoir popper cette affaire-là, ça c'est une bonne chose. Moi c'est le ciel le point négatif. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est un... Comment t'appelles ça, genre? Les profondeurs, c'est pas une déception parce que... J'avais aucune attente puis Nintendo l'ont caché. Mais je suis d'accord sur un certain point. On dirait le ciel, t'es comme, man! Tellement sous-exploité, le ciel. Ça pourrait tellement être encore mieux, genre. Je pense avec du recul, ok? J'ai pas fait toutes les temples. Là. Mais...
Le ciel. Je pense qu'ils auraient dû mettre toutes les tombes dans le ciel. Je pense. Attends une minute, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. Là. Une crêpe. Il aurait fallu... Oui, c'est ça! Il aurait fallu un village dans le ciel. J'ai pensé à ça aussi. À un moment donné, je me suis dit, c'était un peu étrange. Surtout que l'idée d'un... L'idée, on dirait, de ce jeu-là, il vient de quoi? Il vient de Skyward Sword. C'est comme si Skyward Sword serait un bon jeu. Là. C'était comme le ciel, il est sous-exploité, genre. Ils ont... Mais je suis en train de me poser la question, c'est un problème du marketing? Ou c'est vraiment le jeu qui est de même? Tu sais, comme, je sais pas... Rebonsoir Mirali. En même temps, hein? s'il avait plus d'îles, ça aurait été facile en bas. Donc, je serais moins content que ce soit en DLC. D'ajouter. Je sais pas. Je pense que j'aurais pris un village dans le ciel. J'aurais pris toutes les tombes dans le ciel. Non. C'est vrai que s'il y avait eu plus d'îles, atteindre un autre endroit, ça aurait été plus facile. Je veux un DLC de gardien. Moi aussi, je pense que je veux le retour des gardiens. Mais je pense que s'ils refont les gardiens, ça va être dans les profondeurs. Je suis pas sûr que je veux ça. Yeah. Ah. Je m'attendais à 3 fois plus d'îles dans le ciel avec un sol déchiré. Moi, je pense que... Ça serait pas étonnant que Nintendo refasse un autre jeu Zelda avec la même map. Ça serait pas étonnant, ça pourrait arriver, là. Mais je pense que je veux plus jamais ça. Parce que le problème, c'est que tu connais déjà la map. Fait que le fait d'être propulsé dans le ciel puis d'aller partout, genre, super vite dans la map, t'as pas l'impression de la découvrir. Puis une chance qu'il y ait les grottes, mais faut vraiment que les grottes soient beaucoup plus importantes dans le jeu. Attends une minute, là. Qu'est-ce qu'il dit, là? Un sinistre chant. T'arme. D'après les renseignements de Penn, ce sont les brides d'une étrange chanson qu'on entend la nuit au relais des montagnes en provenance de la plaine Arafur, au nord-ouest. D'en avoir le cœur net, mener l'enquête de nuit avec peine. Là, il pleut, Vera. Il pleut, maudit Vera. On avance plus dans l'histoire, mais... Je suis pas assez avancé, genre, pour... Moi, je pense pas que j'ai besoin de comprendre plus l'histoire ou whatever. Là. C'est vraiment une question de jeu pis de feeling. J'ai l'air de faire le procès du jeu, là, mais j'aime beaucoup le jeu. Un feu dans Baptiste. Ouais, en tout cas, je pense que le prochain Zelda, j'aimerais ça redécouvrir comme j'ai découvert Breath of the Wild. Ouais. Il mouille encore. On va passer une autre journée. Ah bon, c'est bien ça. Mais non, mais attends une minute, faut que j'aille de nuit. J'aurais dû mettre la nuit, bon, c'est pas grave. Mais y'a-tu des choses que vous aimez pas dans le jeu? Parce que, pour vrai, il est vraiment bon le jeu, tu sais, genre un bon 9 sur 10. C'est peut-être un des meilleurs Zelda, genre. Moi, j'aime tout. Pour vrai, tout. On l'entendrait de nuit sur la plaine d'Arafur au nord-ouest d'ici. Oh! C'est où, ça? Plaine. Hey! Parfait. 11 sur 10?
Je sais pas, je pense que j'ai un problème avec le fait que quand je joue à Zelda, j'aime ça découvrir des nouveaux endroits. Le jeu il remplit pas, mettons, à 100%, c'est un plaisir là. Attends une minute, qu'est-ce qu'il y a? Suis le chant, ouais, c'est ça. Et vos armes, vous réservent. Vous réservez un sort. Ah oui, mais là, ça sent mettre dans le puits, là. C'est qu'il fout! Le feu de forêt, c'est ça? Mais pas du tout, c'est pas jeter vos armes. Ce n'est pas du tout ce que je chantais, c'est ce que tu as entendu. Ça ne fait pas de sens. Essuie tes larmes, essuie tes larmes. C'est ça les paroles. De quoi? Je vous réserve un mauvais sort, quoi? Jetez vos armes ou je vous réserve un mauvais sort? Qu'est-ce que cette chanson nulle? Petit moineau, prends ton essor, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a plein d'armes. Bonne nuit, Gam. Faites beau rêve, merci beaucoup d'être passé. J'ai bien aimé ça ce soir, pour vrai, l'amnésia. Neuf affaires de régler. Je sais pas combien il y en a, hein? Il doit sûrement encore manquer une coupe de relais. Oui! Les jambières! Ah! Oh! Ça part! Ça part! Ça peut faire peur. C'est un feu de forêt, les amis, je m'excuse. Est-ce qu'on a quelque chose ici à part... On a-tu... Ah, il y a une bombe. Ça, je la prends. Un peu de la bouse, hein? Ok. J'ai une question. Avez-vous, genre, un spot qui est popé? Pour pogner des bombes? Depuis que j'ai l'amulette, là, je me dis faut que je pogne un spot qui est popé pour des bombes. Il y a le puits qui est là, j'ai pas été. J'entends une flûte! Et voyons. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, nice. What? Vous voyez, là je trippe. Là ça me fait tripper. Aïe aïe! Sauf que je sais plus jouer par exemple. On pensait faire une. Un petit puits genre random. Ah, il y a des truffes! C'est nul, ça. Je prendrais plus de rubis, moi. Plus de rubis, là, cette étape-ci du jeu. Moi, je vais dodo. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Mirali. Ah, Mirali, où ça s'en va? Je l'ai pas lu. J'ai vu celui de Gam, mais pas celui de Mirali.
Le Pega, bonne nuit Mirali. Pega. Oh shit, c'est quoi que s'est passé là? Il est pogné dans le sol, ça va rapport. Il n'y a pas de bon spot pour farmer des bombes, les caves et les profondeurs, c'est pas mal ça. Ok. Je me demandais si j'avais pas passé à côté d'un bon spot. À un moment donné, je pense que j'ai vu de quoi, genre, il y en avait comme. Je sais pas, on va dire environ. 4. Des truffes, ça? Je les ai-tu ramassés? Je sais même plus. J'étais comme ça. C'est vrai qu'il est mort, il bouge plus. Bon, ça m'étonnerait que ça soit bon, mais pareil, on va tester. un knick jab, Torieux. The fuck is un knick jab? Un coup de genou? Hey, on dit ça, puis regardez, il y a genre 3 bombes, ça, c'est bon. Un uppercut avec un genou, ok. What the fuck? Pour une fois qu'il y a quelque chose de bon? L'âme ancestrale? Ça a rapport avec les gardiens, ça? Holy shit! Depuis tout à l'heure, on est là, il y a rien que de la merde, il y a rien que de la merde, genre. Ça va chier, man. J'aurais pas dû prendre ça. Un peu de chouchou. C'est actually OP. Pour vrai, là, c'est comme, c'est quoi, 50? 50 de, pour faire des dégâts, c'est beaucoup. Là, je peux pas croire, on est dans une grotte, dans un... Attends une minute, mais c'est bon ce spot-là, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des truffes, il y a des bombes. Non, pas tomber. Il y a des poissons, toi. En caisse, là. Ok. Ça, c'est du poisson qui ressemble à quoi, ça? Pas de la perche max, hein? Ça va être les trucs clowns, là, je sais pas trop quoi. Ah, c'est les autres là-bas qui sont clowns. Comme j'ai envie de le marquer, genre sur ma map, tellement c'est bon. Ça pour juste le noyer à la fin. Ouais, j'avoue, hein. Là, j'étais un peu rouillé. Là, ça fait une couple de jours que j'ai pas joué. On dirait que je réfléchis pas. Je suis juste en mode, ah, ça tourne, c'est beau.
Ça pour le noyer lui aussi. Ah, que voulez-vous? De la bouse. Je reprendrai un truc ancestral. Eh ben, ça a commencé comme un puits, puis ça va finir comme un, comme une grotte. De toute façon, on va être à l'autre bout, genre. Est-ce qu'il y a une bombe? Ouais, c'est quoi? Deux truffes? Cinq bombes? Je me suis dit, si j'attaque en premier... Si j'attaque en premier, ça va... Ça passe. Champignons... Allô? C'est lui, je veux pogner. Mais non, mais je m'en fous! Ça rend fou! Mais non, mais c'est pas le bon! Ah! Ça m'avait pas manqué, ça. On est complètement passé à l'autre côté, genre. What? Là, je trippe. Là, je vous le dis, là, je trippe. C'est ça que je veux quand je joue à Zelda. C'est ça que je veux. Il faudrait juste qu'on trouve où le cristal. Attention, si on va dans ce sens-là... Garde juste ici. Non. Ce serait comique, genre on arrive au bout genre de la grotte, puis il y a le puits, puis finalement c'était juste en arrière. Disons où tu commences. Me croire vraiment que c'est ça que j'ai, comme j'ai dit, c'est au début. Je suis tombé ici, il y avait le coffre qui était incroyable. On va vraiment finir comme ça. Je me
C'est une bombe. Vraiment généreux pour vrai, c'est vraiment généreux. Il est où? C'est une très bonne grotte. Très très bonne grotte pour vrai. Qu'est-ce qui est une masse là-dedans? Ça, c'est une masse? Je pense pas. Ça, ça en est une. 84? Sur une roche aussi. Il y a rien. Fuck off. Ça commence bien. Un rubis, là. J'aimerais ça un petit diamant. Le pal brut, c'est un peu de la chenoute. Du sel, c'est encore pire. Fuck. Je pense qu'il faut que ça brille jaune. Faut qu'il brille jaune pour que ça soit genre un diamant. Ok. Ok, ok. Excellent. Excellent puits. Regardez ça en plus, genre tu passes à travers toutes ces affaires-là. Regardez-moi ça comment c'est bien fait. Faudrait peut-être que je me laisse une note. Je vais me laisser une note avec ça, genre. Parce que c'était quand même pas pire. Fait que toi, Arus, tu me dis que quand t'es autour des plantes, il y a des bombes. Non, mais je pense que j'ai remarqué un pattern avec les bombes dans les profondeurs. Je pense que le gigatracien, je sais plus trop quoi là, la grosse grenouille. Je pense qu'il y a des bombes souvent autour de lui. Dans un arbre là, ça se peut pas. Ah oui, il est là! J'ai compté qu'il me manque encore 10 lucioles de la sérénité pour faire mon arbre. Oh le con. Oh le petit con. Il veut des lucioles. Tu sais qu'on en pogne déjà. En vends-tu? Il y en a 3. Ah oh, oui, mais attends une minute. Ah, oh, attends une minute. Ils sont où? J'ai un souvenir. J'ai un souvenir qui est vague. Ça, là, si je prends... Si j'essaie d'en prendre une, là, en photo, je peux pas la relâcher puis la prendre en photo. Je vais sûrement en avoir dans le secteur, les lucioles. Ça va te remettre de nuit, des gens partant. Qu'est-ce qu'il dit, là, le compartiment d'un? Il dit où en trouver? OK. Mais je pense que c'est la nuit, genre. Veux-tu le savoir? Attends, minute, de quoi? C'est quoi je veux savoir? Vous poignez les lucioles? On va aller, qu'est-ce qu'il dit? J'ai trouvé le best spot pour les poignées. Ok, attention. On les verrait bien si c'était le cas, vu qu'elles brillent la nuit. Par contre, j'ai entendu dire qu'il y en avait plein dans la forêt au nord d'ici. Parfait.
La forêt au nord d'ici. Ah, mais c'est là, genre. Ok. Ça va être parfait, ça. Il y en a l'eau, là. Je l'ai déjà dans la paire. Ok. Une minute, ça tombe dans quoi, ça, les lucioles et les animaux? Oui. Parfait. Effet unique une fois cuisiné, la discrétion. Salut Aline, ça va bien? Bonsoir. Bon, ben, bon matin. Bon matin. Je pense que je fais trop de bruit. Maudit la forêt. Merci bien toi. Numéro 1. Super bien. J'ai fait un peu d'amnésia ce soir. J'ai fait le jeu d'horreur. Amnésia. Ils ont sorti un nouveau jeu. Puis le jeu m'a planté dans la face. On s'est dit, ah, on devrait s'arrêter de jouer et tout. Puis là, finalement, le jeu a planté. Fait que finalement, je me suis dit, bon, on va aller sur Zelda. Et la forêt au nord, la forêt au nord. C'est là, parfait. C'est excellent, on a le spot, Fenrir, on a le spot. The spot. Il s'est levé. Cool. Ça rend fou. Il y en a pas dans la forêt Kourougou, ces affaires-là. Dans la forêt Kourougou, dans le nord un peu. Jeu d'horreur très peu pour moi, je préfère Zelda, ouais. Qu'est-ce qu'il fout? C'est quand même cool de temps en temps un petit jeu d'horreur. Là. Surtout quand il y a une nouvelle sortie. Là. Moi, mon spot, c'était l'île au départ. Maudit qu'il y en a, je trouve, en crime autour des étangs. Ouais? Pourquoi ils ont mis ça là? Ça, c'est une autre affaire. Alors, j'ai pas tout visité, là. Mais l'île du départ, là. C'est-tu moi ou genre, c'est peut-être genre la meilleure île du jeu? Dans le sens comme elle est complète, elle est grosse et. Je sais pas comment expliquer là.
comprends que c'est un tuto, mais... Ok, j'en ai combien? J'en ai 9! Pas encore fini, les gars. Je pourrais croire que ça va finir. Là. Clairement la plus complète. Genre! Genre une deuxième île, là, genre, avec un village. Là. C'est un peu comme ça aurait été popé. Fait chier! L'autre, il me fait perdre toutes mes... Bon, ça dégage. Il y avait des bananes. Sur ce, bonne nuit tout le monde, bonne nuit Fenrir. Repose-toi. Monsieur homme des feux de forêt. Là. Fait là, Nirva. C'est quasiment Nirvana, le gars. Bon, là, on est d'accord, c'est terminé. Right? J'en ai 11. Parfait, ça. Fond de rire. Bonne nuit. Bonne nuit. Les attaques surprises, ça sert à rien. Il y a juste les lâches qui attaquent dans le dos. Juste les lâches. Est-ce que ça m'a fait trip? Asti, Chris. Mec croquette. J'ai rename Fenrir il y a un bout, puis je l'ai pas changé. Fandoré. Moi j'ai encore l'emoji de poire à côté de son nom. What the fuck, vous avez tellement pimpé ça, genre. C'est ça qu'il me raconte. Il est rendu où, le petit con? Il ne vous reste plus qu'à accompagner Bai jusqu'à lui, de nuit, près de l'arbre scintillant. Il est où l'arbre scintillant? Bai. Je suis. Fuck. Qu'est-ce qu'il fout? Ah! Au secours! Ah! Est-ce qu'il baille? Est-ce qu'il baille? C'est qui ça? La personne qui est là? Calzo. Comme calzone. Ben, on est des viewers à temps plein. C'est comme ton setup de streaming, c'est professionnel. C'est ça. Setup de streaming professionnel. Okay, c'est qui bye? Bye, 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 bye.
comprends pas. Vraiment, quand on lit la quête, on comprend tout le temps. Fuck. Mais non, mais t'as ton chat à une place et tout. J'imagine t'as un écran pour les stats du stream, etc. Ben, genre le dashboard, c'est ça que tu veux dire? Moi, j'étais un coomer à temps plein. Ça doit irriter. Ça doit un peu irriter, ça. Il m'a raconté sa vie, j'aurais pas dû demander. Ok, c'est beau. Excuse-moi, j'ai... C'est-tu son nom, hein? Je comprends pas c'est qui, il faut que j'y amène. Dans la forêt. Ah, ça doit être ici, genre l'affaire que tout le monde nous parle depuis un bout. Et peut-être qu'on donne, on devrait peut-être donner de quoi enfin à un chien. Ce serait comique. On va lui donner un steak au chien. On va lui donner un poisson, j'en ai plein. T'en fous? Non, il s'en fout pas. Vas-y, mange-les. C'est les pommes qui mangeaient, ce con-là. Attends une minute. Je pense que c'était des pommes qui mangeaient. Ah, je suis pas sûr. Peut-être que c'est un vrai morceau de steak qu'il veut uniquement. C'est ça, c'est juste des vrais morceaux de viande qu'il veut. On pourra tester, là. Vas-y, fais-moi des terrains trésors, ça va être fou. Prends les pommes aussi, ça coûte plus cher, hein, en viande. Chut, le steak! Là, il me suit, pis c'est tout. Ça retourne! Ah, le traître. Ah, le traître! Dis-moi que t'es en train de me découvrir un trésor, quelque chose. Pff, trop long. Trop long pour avoir deux niaiseries. Là. Deux brindilles. Salut, Cypherid, en passant. Moi, j'ai un MacBook, donc j'ai pas deux écrans. C'est le seul gars que je connais qui passe à travers plus d'un pot de vaseline par année. Ouais. Je suis mêlé, là. Attends, mais faut trouver c'est qui, déjà, la personne, là. Pour les lucioles, puis on va mettre fin à cette affaire-là, pour une fois. Peut-être c'est leurs amis? Non, c'est Maestro, genre, ça par rapport. Il ne reste plus qu'à faire venir. Bye. Jusqu'ici. C'est qui, bye? Asti? Bye. Elle fait l'avenir? C'est qui, bye? Il dit-tu? Puis je l'ai pas lu. Je pense que je l'ai pas lu. Hein. Yo, imagine qu'il faut faire venir la troupe de là jusqu'à la bouche. Attends une minute. Peut-être c'est ça. Je sais pas. Peut-être c'est ça. Avez-vous fait cette quête-là?
Moi, oui. Mais bye, là, c'est pas genre une personne de la troupe. C'est qui? Je comprends pas. Il doit sûrement l'expliquer, mais j'ai spammé le bouton pour aller lire le résumé, puis il dit pas. Non, mais c'est ça, c'est pas un. Ouais, j'ai aucune idée. Fenrir, j'ai. Pas Fenrir, c'est. Iroz! Iroz! Je sais pas pourquoi j'étais sûr, je sais pas pourquoi j'ai dit Fenrir. Iroz! La personne, là, il dit-tu dans le dialogue? Il dit-tu où est-ce qu'elle est? Astuce parle à tout le monde. Pas de bande, ce gars-là. Ok, quoi? Parle à tout le monde. Genre dans le relais ou. Enfin, celui. Oh, lui, on ne sert à rien, toi, t'as mal. Bonne vache. Ah, c'est. Oui, enfin! Let's go, Vietnam! A line of coke. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit là? On n'est pas chez Deoxys, c'est là. Vous allez vous calmer! N'est-ce pas? Le gars, il ramasse direct. Plus de nouvelles de lui. Deoxys doit popper son sub, mais il veut pas le faire parce qu'il veut pas une grosse conversation. Ok. Ça peut rester formel, là. Ça, je peux dire salut, ça va? Je peux me dire oui, non. True story. Pourquoi vous faites de l'anxiété avec moi, genre? Ça n'a pas rapport à faire de l'anxiété avec moi. Là, il doit faire 10 fois plus d'anxiété. Vous êtes laid? Les stools! C'est incroyable. Je t'en l'heure, qu'est-ce Vrai gamer. Eliaxis! Merci beaucoup pour ton sub, maintenant t'es rendu un vrai gamer! Pourrais-tu me raconter ta vie? Pourrais-tu me raconter ta vie 2-3 fois dans le détail, s'il te plaît? Parle-moi pas, ok, parfait. Comment a été ta semaine? Mettons là, que t'as mangé pour souper. Ça avance-tu ta game de Zelda? Ben non, ça va pour vrai, je joue à Diablo 4, relax, ok, cool. Il sait pas vivre! Vous êtes tellement stool! What, grosse truffe max! J'ai jamais vu ça. Hey, ça me fait penser à quelque chose. En vrai, je vais pas plus les curry. Ça serait vraiment utile de prendre ça en photo. Ça aussi serait pas pire. C'est bon, c'est bon. Des hot dogs puis de la poutine, ça c'est vraiment un bon choix. Très bon choix. Tellement ça que je mangerais live là, j'ai tellement faim, j'étais en train de m'auto-digérer, man.
peut-être pour ça que j'ai mal à la tête. Ça, pis des calices. Ben, écoute. Moi, pour vrai. Ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas. Si vous l'avez pas forcé. Le talent. Iroz, merci beaucoup pour ton sub tier 3. Le talent. Déjà plus de 3 ans, ça fait beaucoup. Merci je beaucoup. Fais une diversion pour que Yves reparte en l'heure. Moi, genre, à Star-là, tout le monde peut partir en l'heure. Y'a pas de panique avec ça. Mais non, genre, vous pouvez pas faire de l'anxiété. Faites-moi pas croire que vous faites de l'anxiété à venir jaser ça. Je comprends que le chat est mort, là. Je comprends que le chat est mort quand on fait du Zelda, là. Mais mettez-vous pas tout ça sur les épaules.